Mbote mbote balandi ya TV du peuple RD Congo, mbote mbote encore une fois na batunyo so bazako landa biso États-Unis, Canada, France, Congo Brazza, Lubumbashi, Goma, Ituri, Équateur, Kinshasa, Kananga, Mbujimayi, Nord Kivu, tolobi na bino mbote mbote. En tout cas, vous partagez massivement nos émissions, soyez scotchés na chaîne na biso TV du peuple RD Congo, les télévision moko bien, télévision moko ilukela rabino ba information ya solo solo pour que nous sommes au courant, il y a évolution, il y a beaucoup de cannabis au Ngaï, et ça va bien, amour, bilou, mesdames et messieurs, la travail en collaboration avec mon co-présentateur, tout mon confrère, Chatra Kondibou ou Andibou, quand même, il est empêché et coucou là où il se retrouve. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à mon caméraman Joseph Toumba Balandaï. Merci beaucoup à mon big boss Symphorien et Kalala. Là, personne qui nous chapeaute. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il y a une information moko oyonais c'est que nous na émission précédente que gouvernement Samalou Kondé n'engi outé kubima et zana ba député oyoba kenna ki kuta chef de l'État, ba sincèrement kuta chef de l'État, mais ezana ma kambobele bele ba soit chef de l'État par rapport il y a souci to ma ambition na bango, alors bango ba être chef de l'État que non chef de l'État to kana ki bomoté souci la bise zalek ki non Moutou Songolo, tout Pakala, Yepé, Azala, participant à un gouvernement Samalou Kondé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais nous avons vu autre chose qui se sont dévorées. Alors, chef d'État, Tada qui était là pour répondre au Bango, il lui a dit ceci: nous devons mettre d'abord l'intérêt du peuple. Liboso. Parce que ce que tu sais, l'intérêt du peuple, il y a un peuple congolais, Liboso, m'a ramené sur tout le cas sans problème. Autant d'abord nos intérêts propres. Enlevant ces idées de dire que non, on a qu'à taper Naïba, Nalia, famille n'a rien bon, ainsi de suite. Oh, tout ça, les lobbies sont awa, et ça, grâce au peuple congolais. Ceux qui ont un président, les lobbies, et ça, grâce toujours à ce peuple. Si vous êtes député aujourd'hui, c'est grâce toujours à ce peuple. Alors, si nous voulons travailler pour nos intérêts, vous voyez, tu ressens les lobbies de mon côté. Il faut tout que non, il faut travailler pour l'intérêt général du peuple congolais afin que ma grand-mère surtout et qu'elle ne libère. Voilà idée à chef de l'État. Voilà réponse à chef de l'État vis-à-vis à député national. Je m'excuse. Le chef de l'État a été clair. Dans ma réponse naïe. P, les sources concordantes et les sources proches nous rassurent que cette réunion s'est déroulée calmement, dans une confiance énorme. Moi je dirais gloire à Dieu, parce que chef de l'État, étant sage, Aibi, Dieu, cette pratique, il y a Koufou Takaba député pour la co-investir au gouvernement. Je varie, hein. Ah, voilà, Michel dans la bombe et Hermoko. Donc, cette pratique, mesdames et messieurs, c'est cette pratique. Il y a qu'au foot à rabat député pour investir au gouvernement, ce sont des pratiques archaïques. Ma pratique, moko boye yakala. C'est depuis Mobutu. Que lorsqu'il y a gouvernement et bimi, il faut pas foutre à député on a pour investir au gouvernement. On a. Et banana Mobutu. Mouze Kabila. Mouze Kabila est aujourd'hui et hier Kabila, Joseph, pour investir le gouvernement, il faut que vous foutez un député. Vous voyez? Vous voyez comment est-ce qu'il y a un ancien régime et bébé si, mais tout y a peuple congolais. Est-ce que c'est constitutionnel? Pour que le gouvernement soit investi, il faut que le député foutre un. Non, ce n'est pas ça. C'est anticonstitutionnel. Dis-moi, ben, prime, oui. Et donc, vous foutez à Bango. Non. Non. Ce n'est pas normal. J'ai suivi Ndekwe Eliezer, l'honorable Ndekwe Eliezer. Alors, lui ne fait pas partie à Batou, il va exiger Mbongo. C'est-à-dire qu'il est non, il va exiger Mbongo.
Mais lui s'est abstenu. Voilà, mesdames et messieurs. Il s'abstient. Disant que non, moi je ne fais pas partie de ces gens-là qui exigent l'argent. Et il ne sait même pas qu'il y a des gens qui exigent l'argent. Dis-moi, il a dévoilé tout simplement qu'il y a 500 types qui viennent pour les députés nationaux. Mesdames et messieurs, ma dip, il y a ma député, il y a ma Prado, il y a ma surfté, il y a ma Prado, minimi, il y a ma Prado. Bah TX et qu'on sort bah pendant on écoutera bah 50-70 000 dollars yassika les autres d'Ibana ils ont pendant bah député prenons même 40 000 dollars fois 500 c'est combien hein Joseph 40 000 dollars fois 500 députés ça fait combien des millions de dollars déboursés comme ça pour le député, pour leur Jeep et les airs, l'a dévoilé. Il a nié le problème de l'argent parce que nous avons entendu que les députés ont exigé 50 000 dollars par tête ou à chacun pour investir le gouvernement. C'était le vrai, vous êtes mabé. Si vous allez faire vraiment vous bosser ma bé ma casse. Pour investir le gouvernement, il faut obtenir 50 000 dollars à chacun. Et une Jeep. Une Jeep qui coûte 40 000, 50 000 dollars encore une fois. Donc l'équivalent de 100 000 dollars à chacun. Mais vous avez 500. Et ça, combien? 100 000 dollars Fadi, ça fait 1 million. Vous avez 500. Et ça, combien? Et ça, combien? Bon, il faut soutenir le peuple congolais allié, mais ben du coup, il va souffrir. Il va souffrir chaque jour. Et le peuple, il va bien, il va marcher de l'eau. Parce que l'insécurité va persister, caca. Mais vous, au lieu de plaider afin que cette contrée de notre pays soit protégée, sécurisée, mais vous, pour la simple investiture, vous exigez des 1000 dollars. Des jeeps de 50 000 dollars. Tout ce qu'on a noté que non, pour ça les plénières, pour le lobby, non, le gouvernement a mis 5 millions de dollars pour aider le peuple à souffrir. Donc, en compte, le gouvernement a mis un bon go pour que ça va nous aider ainsi de suite. Vous en compte. Il faut un chef de l'État à l'Obango. Non, mesdames et messieurs. Donc, on peut dire que vous, députés, vous êtes des porte-malheurs du peuple congolais. Parce que vous ne faites absolument rien. Vous ne faites rien. Sauf que ça n'est pas le chef de l'État, vraiment, ils ont ma bille. Parce qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Hein. Tantôt 50 000 dollars. Et les airs a dit, il faut une Jeep à chacun. Une Jeep à chacun. Je ne sais pas si c'est en guise de la séance spéciale d'investiture de ce gouvernement. Ou c'est une récompense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Attendons ce jeudi, il y aura investiture, sauf changement catastrophique. Sauf les catastrophes politiques. Ou sinon, selon les informations, l'investiture du gouvernement Samalou Kondé interviendra ce 24 jeudi. C'est jeudi 24 avril. Ça va bon, 50 000 dollars, Jeep Kuna, Kili Kili, prime Bozolia. Bah il m'olima, Bozolia. Au juste peuple congolais, on se peut la nengenine. Vous devez changer. Vous devez changer, servir les peuples congolais. Vous devez changer, servir les peuples congolais. C'est ça même la mission principale au peuple à Pesa Kibino. Et c'est ça même raison au chef des peuples congolais à Vota Kibino.
mais beaucoup de kuna mabumi vimbi mabunde bimi et vous oubliez totalement le peuple et vous voulez que nous puissions applaudir pour nous jamais que vous simbatez et vous simbatez et vous simbatez et vous simbatez jamais jamais alors jamais 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 vraiment. Parce que Samalu Kondé et son équipe gouvernementale vont se présenter à l'Assemblée nationale pour l'investiture. Jeudi 22, ça sera le jeudi, le jeudi 22, pas le 24. Joseph Toumba, jeudi c'est quel jour? Le 22, je pense. Hein? Voilà, ça sera le 22 jeudi. Je m'excuse pour la confusion de la date. Alors, nous allons apprendre à défendre les programmes du gouvernement estampillés Union Sacrée. On va attendre parce qu'à marge de cette investiture de gouvernement, le président de l'Assemblée nationale a réuni ce dimanche le député frondeur de l'Union Sacrée. D'après les sources concordantes, Christophe Mosso a su convaincre le député révolutionnaire de renoncer à leur décision de bloquer l'investiture du gouvernement. C'était ça même leur idée, mesdames et messieurs, de bloquer l'investiture du gouvernement. Et c'est par là que l'intervention de la dissolution est en place dans l'Ango. Parce que si vous voulez boycotter l'investiture du gouvernement, chef d'État, ça a plein droit, on a plein pouvoir, il y a beaucoup de parlement. Et c'est vous qui resterez chômeur. Ah oui, il n'y aura pas de problème. Les députés pétitionnaires fâchés après la sortie du gouvernement ont amené leur mémo chez le président de la République, Diomedé Dado. Ils se sont exprimés. Les conseils qu'on leur a prodigués ont apporté des fruits, a déclaré Ngoï Kassange, un député sociétaire de l'Union Sacrée. Voilà, mesdames et messieurs, espérons que ce jeudi 22, il y aura une investiture du gouvernement. Et c'est ça même le souhait du peuple congolais. Batouba Banamoussala, Batouba Zouamissala, Batouba Tangamalamu, Batouba Liamalamu, Batouba voyager na Pété, Makamis Dou et Kora. Normal, paix et sécurité dans Mboka. Et s'il n'a pas ce ministre de la Défense au Batiwana, espérons que non. Arosala Moussala, le ministère intérieur, Arosala Sembi Ozouana, Arosala Moussala Malamu, pour qu'il va permettre au peuple congolais à Mekakosepe là, dans le gouvernement Samalu Kondé. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous disons merci beaucoup parce que vous nous avez suivis depuis partout. Merci beaucoup de votre bonne attention. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis, mesdames et messieurs. Moi, je vous retrouve très prochainement avec d'autres actualités. Merci.